Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant ma Toyota Avensis 2 de 2004. Comme vous pouvez voir, j'ai pris un gravillon dans le feu de brouillard. Donc ce gravillon, donc, ça y était déjà quand je l'ai eu à la voiture. Hein. Et avec le nouveau contrôle technique, un optique en général ça passe pas. Donc on verra tout à l'heure. Et comme j'ai un gros doute sur la forme de mon feu de brouillard, parce que je voudrais le commander, mais le... comme ce que je vois sur internet et ce que je vois là, comme il a l'air rectangulaire, donc je veux le démonter pour en être sûr, pour voir vraiment sa forme, parce que ceux qui montent sur internet, ils ont une forme qui remonte et qui redescend comme ça. Donc je vais commencer pour vous montrer comment ça se démonte, et ensuite on ira sur le site, ce que j'en ai vu à 30 euros en moyenne, je me rappelle plus sur quel site, donc on va y retourner tout à l'heure, je vais vous montrer. Donc action, on démonte, encore une fois de plus. Bon, j'en rigole un petit peu, parce que avec ma nana, elle me disait, t'en as pour longtemps, je suis vraiment, ça va super vite à faire un feu de brouillard, parce que je me rappelle dessus de la CET que j'ai fait, j'ai pas mis très longtemps, quoi. Mais j'oubliais que là, je m'attaquais à Toyota. Et Toyota, c'est plutôt problématique, c'est-à-dire que là, comme on peut le voir, je me suis dit c'est bon, il y a trois vis quand on regarde sur le. Quand on veut en acheter des neufs, on voit qu'il y a trois fixations. Alors je me suis dit bon, c'est vite fait à faire quoi. Sauf que derrière, c'est pas accessible. Donc c'est un grand moment de solitude. Et j'avais dit à ma nana que j'avais pas pour longtemps. Mais je crois qu'elle avait raison, elle me dirait de me dire ça, parce que en général, ça. Ça dure. Bon, bah là, on va regarder en dessous. Donc ici, vous avez... Donc là, c'est le dessous côté pare-choc. Là, je suis vraiment au bord du pare-choc. Là-bas, c'est le milieu, hein, la voiture. Niveau pare-choc, toujours pareil. Donc ici, vous avez un trou. Un là. Vous en avez un autre ici, côté extérieur. C'est des vis avec du 10. Ensuite, là... ici c'était une vis qui avait été mise en cruciforme. C'est trop. Voilà. Je vois plus ma vis. Ah voilà, allez, je suis en train de la chercher. Donc là, voilà. Ensuite, quand on regarde en dessous. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Donc là, vous écartez donc, le plastique. Vous le faites entrebâiller. Et là, vous pouvez voir, il y a une grosse boîte noire. Comme on peut voir là, et en dessous, là, j'essaie de filmer, il y a un trou, on peut glisser la main, on a accès à la prise, c'est tout ce que je peux vous dire, et puis voilà quoi. Alors après les vis de fixation, je ne sais pas, il va falloir que je tombe à tous les coups la boîte noire, comment elle tient, j'en sais rien, donc à voir. Je regarde et je vous explique. Donc voilà, donc ici j'ai commencé par démonter ma roue. J'ai démonté le passage de roue. Donc ici on a des clips. T'as eu ma main, elle est là. Donc ici un petit clip, vous insérez un petit tournevis. Pile poil au milieu. Et vous faites descendre le... On appelle ça... Alors, ici. Vous faites descendre vers le bas. Bien droit, hein. Voilà. Et après vous tirez dessus. Et c'est des attaches qu'on trouve un peu partout sur toutes les voitures. C'est ils mettent ça dans les garnitures de coffre un peu partout. Quoi. Donc vous tenez une première partie plus en gros vous le tenez avec un tournevis comme ça et l'autre vous le faites descendre droit. Je vais vous montrer après. Donc voilà, c'est des petits goupillons comme ça. Il suffit de vous rentrer d'abord l'empreinte en plastique là où il y a mes doigts. Et ensuite, une fois que c'est dans le trou, vous appuyez. Voilà, et ça écarte les deux petites pattes qui sont au bout. Vous faites gaffe, c'est fragile. Enfin, ça se rachète, mais bon, c'est...
ça a tendance à se péter facilement. Ce que j'ai fait, je l'ai laissé pendre, pas la peine de le retirer complètement, vous le dégagez un petit peu légèrement, en retrait de façon à avoir plus accès au niveau du feu, du moins du boîtier du feu. Donc là apparemment, on voit qu'il y a le radiateur, un petit radiateur. Ici, il y a une petite vis, c'est du 10. Donc apparemment, c'est ça qui tient la boîte. Après ici, quand on regarde, il y a un petit téton, hein. Juste au niveau de mon doigt, je pense que si on enlève la vis de 10, on le décale, ça sort du logement, je pense qu'on devrait pouvoir le tomber vers le bas. Mais après, je suppose qu'en haut, il doit y avoir une autre fixation. En gros, pour tomber tout ce merlier, là, et ensuite, si ça tombe, je pense que j'aurai plus accès aux vis de fixation du feu de brouillard. Ça y est les amis, j'ai trouvé. Donc la vis que je vous ai dit d'enlever derrière, vous oubliez. La vis du dessus, celle que je vous ai montré aussi tout à l'heure, vous oubliez. J'ai dégrafé déjà pour commencer. Ici, il faut que vous appuyez ici sur l'extrémité, bien à fond. Et après, si bien appuyé à fond avec un tournevis, sinon vous aurez du mal avec vos doigts. Au moins d'avoir peut-être les doigts fins. Et ensuite, vous tirez, ça vient. Pour continuer... Je me suis dit c'est pas possible, j'y arrive pas, je comprends pas. Donc je vais commencer à démonter au niveau de la. Ça va être un échangeur, ça si j'ai pas de conneries. Il y a des vis de fixation. Et puis à un moment je voyais une vis cruciforme du feu de brouillard, mais pas accessible du tout. Donc je me suis dit, il n'y a qu'une seule solution, faut tomber le pare-choc. Effectivement, c'est le cas. Je vais vous montrer, c'est très simple. On ne tombe pas complètement, mais on tombe une partie. On le fait basculer et vous allez voir le feu, il va sortir complètement du boîtier noir et vous aurez accès aux trois vis pour pouvoir le retirer. Donc je vais vous montrer tout ça en moins de 5 minutes, c'est fait. Bon voilà, c'est très simple. Ici, vous avez vu, vous avez un clips comme pour le pare-boue. Vous le retirez, bon j'avais déjà tout enlevé déjà à la base. Ici, vous avez une autre vis juste à côté, c'est du 10. Au cliquer, ça passe. Ensuite, ici, au milieu, pareil, encore une vis, vous la retirez. Sur le côté, à l'extrémité, exactement pareil, un clips. Voilà, donc là, on est arrivé là. Tout le travail est fait, quasiment. Ensuite, ici, regardez, sur le côté, je vais éclairer un peu mieux. Si on voit ce que je veux, vous voyez sur le côté de l'aile, à l'extrémité de l'aile, entre l'aile et la carrosserie, vous avez un assemblage. C'est pareil, c'est une vis, c'est du 10. Vous retirez ça et ensuite on va dégrafer tout simplement le pare-choc. Donc vous tenez tout, bien sûr. Vous prenez un tournevis dans les mains, voilà. Vous soulevez légèrement, voilà, comme vous pouvez voir. Il y a des agrafes, il y a des trous pour agrafer sur la fixation noire qui se trouve en dessous. Maintenant, on va soulever par là. Et voilà, ça va sortir. Donc vous faites gaffe de ne pas tout péter. Hein. Et comme vous pouvez voir, mon feu de brouillard, il est en contrebas. Donc là, il y a la place de passer. C'est du... Ah non, c'est peut-être du torx, je sais même pas. Je crois que c'était un tournevis cruciforme, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc ça y est, j'ai trouvé. Donc, comme je vous ai montré, la grosse vis du dessus, donc le phare, c'est comme ça hein, que ça va, hein, comme on peut voir. Donc celle-là, vous l'avez, c'est du cruciforme, tout simplement. Ensuite, ici, ils nous ont collé cette merde, là, une petite vis cruciforme, mais elle est un petit peu en biais. Donc ça fait qu'on voyait d'où on se trouve, on voit pas la vis. Donc j'ai sorti carrément tout le bloc. Pour sortir tout le bloc, c'est simple. Vous voyez, il y a une espèce de patte hein, de chaque. Vous écartez un petit peu et vous tirez, il y a tout qui vient. Ensuite, ici, comme on peut voir, il y a cette partie-là. Elle est coincée dedans. Donc il faut tirer assez fort, droit. Et ça finit par venir.
Donc le voilà, enfin mon petit feu. Donc ici, comme on peut voir, donc la partie blanche qui est rentrée là-dessus, vous voyez, c'est un petit peu gonflé, c'est fait exprès. On pourra le coincer dans la partie blanche. Donc là, voilà, j'ai vraiment la gueule de mon feu. Donc ce que je vais faire, c'est que quand vous achetez vos feux de brouilleur, c'est livré sans ampoule. Donc je vais la récupérer, celle-là, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, elle est pour moi, au départ, j'avais un gros doute. Pourquoi ? Parce que quand on regarde l'emplacement, on voit que c'est rectangulaire. Et je me suis dit, tiens, c'est pas possible. Et quand je regardais sur le site, ils avaient cette tête-là, quoi. Donc, je sais pas... Et donc finalement, vous voyez, ça fait une forme rectangulaire. Et puis ça fait une forme arrondie, pardon. Pourquoi ? C'est vrai qu'à l'intérieur, c'est rond. Ça paraît logique que ça ne peut pas être rectangulaire. Donc là, maintenant, on va faire gaffe de ne pas se gourer entre le gauche et le droit, tout simplement. Donc, action pour la commande. Donc, ça y est, j'ai reçu mon feu de brouillard. Donc, vous prenez le porte-lampe, comme vous pouvez voir. C'est du... Je ne me rappelle plus ce que c'est comme lampe. C'est une PB4, je crois, un truc comme ça. Vous le mettez, il n'y a qu'une seule façon de la mettre, hein, tout simplement. Donc côté gauche, donc vous le faites puis rentrer dedans, dans les encoches. Voilà. Il doit se trouver vers le bas. Ensuite, comme je vous ai expliqué, la partie blanche ici, là, vous la rentrez dans le trou. Après ici, on va mettre, vous n'oubliez pas de mettre votre vis dans le fond, c'est du cruciforme. Que je vais mettre tout de suite pour éviter de perdre la vis. Bon, je la mettrai après parce que j'ai deux mains prises. Et donc, ce que je voulais dire là-dessus, donc quand vous commandez le côté, c'est faut pas faire comme moi parce que je m'étais gouré de côté. C'est-à-dire que moi, je m'étais mis face au capot pour pouvoir commander. C'est de la connerie parce que c'est vrai que quand on commande quoi que ce soit, c'est soit côté passager, soit côté conducteur. Donc c'est comme quand on est au volant. Donc c'est côté, bah là c'était côté gauche et non côté droit. Tout simplement, et je me suis fait avoir surtout par rapport à la photo de sur Autodoc. La photo était non contractuelle, c'est à dire qu'ils avaient foutu, ils avaient dit que c'était un feu gauche, et ils avaient mis la photo d'un feu droit, et moi je me suis basé à la photo, donc je me suis fait un peu avoir. Bon, c'est pas grave, je garde en pièces détachées au cas où. Donc là, c'est parti, je vais remettre ma fameuse vis ici, je vais redéfaire mon pare-choc. Parce que j'ai dû bouger la voiture. Et on va le refixer dessus. Et puis tout simplement, on va faire la méthode inverse de ce que j'ai fait au démontage. Donc voilà, vous remettez le... Il y a une vis, la petite cruciforme qui se trouve sur le plastique. L'autre sur la partie supérieure du... Qu'on appelle ça du phare. Et puis voilà, c'est tout. Après, vous renquillez votre pare-choc correctement. Dans les agrafes et puis à leur emplacement. Et vous mettez vos vis. Donc voilà l'espèce de petits clips que vous voyez, s'ils sont morts, parce que vous voyez il y a 4 petits plastiques autour du téton, si c'est mort, il faut les changer et ça coûte 2,40€ pièce. Chez Toyota, vous les trouverez. Donc voici les références, 85 292 0 50 20. Enfin, logiquement c'est ça, au moins qu'il ait mis ça dans un truc qu'il avait récupéré, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez... Ils en ont en général sur place. Quand vous allez chez Toyota, puis ils vous en donneront. C'est pas donné, mais bon, c'est utile. Donc ça y est, c'est terminé pour la Toyota. Donc le feu de brouillard a bien été remplacé. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Pensez à vous abonner, puis surtout, consultez aussi mon canal blog pour pouvoir voir les... La liste des outils qu'il faut à chaque fois pour démonter et faire une intervention sur n'importe quelle voiture. Donc canal blog Frédéric Fred Sympa. Canal blog, pardon, Fred Sympa. Bon bah sur ce, bah je vous dis à la prochaine sur un prochain tuto et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.